au menu du jour de la flamme sacrée accompagnée de liqueur du maître, à moins qu'un petit coup de massue ne vous suffise. Bon les amis, cette fois-ci le plan, il est simple, il suffit de... Bah, il est où Tas ? Oh non, c'est pas vrai. On va comme d'hab alors. Chargez ! Du lait des femmes, du poulet, nom de Dieu. Une sacoche d'or, pour moi c'est encore mieux. Mon carquois ? Où est mon carquois ? Ah, le voilà ! Mes flèches adorées ! Mais bordel, il va marcher ce putain de sort ! Ah mais si, il fonctionne ! Trop bien ! Hey yo, coucou tout le monde, c'est GM des rôles de la team Zantetsuken. Bonjour les aventuriers. Allô. Salut. Salut. Salut et bonne année. On veut bonne année. Bonne année tout le monde. Mes amis viewers, à mes amis aventuriers, à tous ceux qui nous suivent, etc. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2018, en espérant qu'elle soit aussi fructueuse que celle de 2017 pour la team Zantetsuken. On s'était arrêté en plein combat. Souvenez-vous, dans le tombeau de Diderius, on avait fait le premier round pardon, en entier et on s'est arrêté juste au début du deuxième round afin de voilà de pas couper complètement en plein milieu d'une baston, enfin disons en plein milieu d'un tour, d'un round plutôt. Et ouais, on va dire ça. Et là, je vous l'ai fait comme les mangas, je vous ai arrêté en plein milieu où c'est bien, vous savez où ça va taper. Après le réveil du frère de Diderius, qui s'est éveillé, qui a récupéré apparemment toutes ses facultés, et il est apparu en plein milieu du tombeau. On était au début du round 2, et on va commencer tout de suite. Je vais remettre une petite J'ai une grande question avant. Ah, grande. Qui c'est qui a le bâton ? Allez, y a plus de bâton, c'est une très très bonne question. C'est Dairon qui a le bâton dans la main. Ça n'a pas. Okay. Ça n'a pas oui, parce que le bâton, il est costaud maintenant. On sait pas ce qu'il a, mais il est costaud. C'est Dairon qui porte le bâton, en effet. Ça... Est-ce qu'il arrive à le porter maintenant qu'il est. Et le. Oui, je. Écoute, premier abord, comme ça, lui, il se sent mieux, oui, ça c'est certain. Mais en effet, le frère de Darius qui est apparu a une espèce de lame. Il porte une lame. Une espèce de lame, un cimeter, ou je ne sais pas trop. Voilà. Okay. Allez, petite musique de combat. Et voilà. C'est parti. C'est parti. On s'était arrêté. C'est au Yuan-Ti qui est tout au sud de la pièce. Je reconnais quoi ici. Je peux vous, mais. Oula, oui, il y a une coquille, je vois une connection lost et une reconnexion. Ils ont pas aimé le rollistique. Ouais. C'est bon pour moi. Il manque toujours des gens. Moi, si vous avez tout le monde sur le. Il manque. Je vais Zazu, Yo, Elzinha. Ok. Ah, moi je vais relancer comme ça. Ouais. Toi, t'as pas eu de problème apparemment. Vous lancez quoi ? Rollistique. Le rollistique, ouais. T'as plus de musique normalement là. Ok. Ça voilà, ok. Je vais mettre une autre musique, voir si ça fait sauter encore une fois, ça risque d'être problématique sinon. Non, c'est bon. Non.
Et voilà. Nickel. Allez, c'est parti. C'est le Yuan-Ti qui est tout au sud. Il est malade, le pauvre vieux. Il a été frappé par le zombie. Round dernier. Et il est dans la tourmente. Il a quand même frappé la momie qui est à côté de lui. Alors, attaque de cimetière, c'est là. Il touche. Une deuxième fois. Ok, très bien. Ça, c'est bon. C'est le lézard qui est en contact de Forben qui lui est intact. Il n'a pas subi de blessure particulière. Et il lui porte une morsure et il essaye de lui mettre un coup de bâton. Ok, j'aurais dû regarder mais je me souviens plus. Donc je sais plus si j'étais en position défensive ou pas. Écoute, non, tu as mis un coup de marteau sur le Yuan-Ti en dessous que tu as mis en sort de froid ou de fou. Ok, ouais. Non, c'est très probable, oui. Même, fais confiance. Ça fait un 20. Ah oui, non, c'était pas. Si, encore. J'ai fait 17, je pense, ça suit pas 17, on est non. Loin du compte. Ouais, loin du compte. Faut taper dans les 19-20. Taper dans les 20. Que... Dans les 20. Ok. Celui qui est au-dessus de toi frappe la momie qui est derrière, qui vient de lui arracher un peu le coin de la gueule. Un petit peu pareil, il frappe, il touche. Il mord une momie. Il se retrouve avec un bout de bandelette coincé entre les dents. Eh ben, ils sont en forme. C'est la bonne année. Et de bons dégâts. Ils se battent vaillamment les hommes lézards, comme à leur habitude. Et Elsinia, qui est inconsciente, vient de réussir son premier test pour reprendre conscience. C'est bon signe. C'est plutôt bien parti, tant mieux. Tant mieux. C'est au frère de Diderius qui vient de s'animer, qui apparaît en plein milieu du tombeau. Hein. Il a l'air de flotter un petit peu dans les airs. Son mouvement est assez particulier, fluide. Et ce dernier semble tout de suite s'en prendre aux momies qui sont dans la pièce. M'aime bien, qu'est-ce que tu veux? Putain, mais par contre, il casse la gueule. Pas trop en fait. Putain, le GM. Oh là là là. C'est la deuxième attaque. Vous sentez le parti pris du GM là? Je vais prendre un point et relancer une attaque. Lui aussi, il a des points. Merci. Pratique. Il y a des points de chance. Des points de GM surtout. plus fort que ça. C'est même plus fort. Plus fort que des points de GM. Tu peux pas imaginer, c'est des points de quoi. C'est fou. Des points de héros. C'est pire que ça. Des points de Dieu. Je fais ce que je veux. Pas ce que tu veux, mais c'est pas mal. C'est fort. Dans tous les cas, il vient d'enchaîner la momie, et à chaque coup porté avec son espèce de sabre blanc, là, cette espèce de cimetière, vous voyez que la momie semble subir des dégâts assez limités, comme si
comme s'il arrivait à absorber une partie de l'énergie des coups portés. Le lézard. Lilan, vous aviez fait des super jets d'initiative encore. On est au moins dégroupés. Tous ensemble. C'est moi ou il se fout encore de notre gueule le GM là. Ouais, n'arrête pas. Commence bien l'année, Lilan. Ça change pas. Hein. Et puis il a un javelot. Ah. Est-ce que vous voulez la suivante, c'est ça? Oui! Voilà, et ça touche encore. Et bien. Et le Yunt qui est au sol, qui a été sonné par notre pauvre Forben, peine à retrouver ses esprits. Tu te sais, Constit. Oh, il est complètement sonné. Il arrive même pas à se relever, il peut pas se remettre sur ses jambes. La momie frappe l'homme lézard qui est juste à côté, au-dessus de lui. Oh, voilà le vin. C'est bon, il est pas surpris. C'est bon. Ah ouais. Il est passé. C'est fait. Oui, c'est oui. Tout le monde. Oui. Le... Oui. Le... Il est mort. C'est une petite momie ou c'est une grosse momie comme l'autre à gauche? Ouais, c'est petit. Il lui a emporté la moitié de la gorge. Il lui a arraché toute la partie avant de la gorge. Il tombe au sol net. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vrai. Il serait mort du tétanos sinon, de toute façon. Donc. Oui. Diderius a vu l'esprit revenir dans l'âme de, dans le corps de son frère, et il semble dans une rage folle de le voir ici. Vous voyez ses yeux qui s'écarquillent, des fumerolles hein, qui sortent de tous ses orbites. Il est à fond. Erwald. Lui. Première attaque sera pour toi. D'accord. Finalement, je suis bien content d'être de l'autre côté avec les autres. J'utilise ma réaction pour utiliser Misty Escape. Ouais, c'est ça. C'est si t'es touché ou si t'es blessé. Si je suis touché. Là, t'es touché. Ouais, mais je pense qu'en fait, tu dois m'appliquer les dégâts quand même. Je me trompe peut-être, mais... Bah, hésite pas à lire parce que les dégâts sont assez... Il gratte. Hein. Si tu peux éviter les dégâts, c'est pas du luxe. Hein. Lis bien ton truc. Ça te permet de pas les prendre. When you take damage. You take damage. Ok. Bon. Il les prend ? Oui. Ça va. Le trigger, c'est prendre des dégâts. Ok. Tu prends un énorme coup dans la paillasse, hein, sur le torse. Tu sens comme si ta vie était attirée. Vers ce cadavre. Et je te fais faire. Attends, je l'ai encodé. J'ai à la constite que tu manques. Tu subis un effet. Tu as une espèce de malédiction qui te touche. Tu vois sans arrêt sur ton corps une espèce de voile noir qui semble ne pas lâcher ton armure et c'est assez bizarre. C'est ta robe, oui, tu vois cette espèce de liquide noir qui fait comme une flaque et qui semble te posséder. Ouh là là, je suis tout huileux. T'es tout huileux. Exactement. Et l'application, non, ça va, c'est au début du tour. Hein. Diderius. Se retourne et se dirige vers son frère. Putain, il me suit. Il passe devant moi ou quoi? Oui, il passe à portée. Oui, il passe à portée de toi, tout à fait.
Enfin, attaque d'opportunité. Très bien. Là, il se recule. Puis finalement, ouais, il va sentir un truc qui le gratte. Il va pas aller jusqu'à son frère. Non, 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 il va trop vite. Ouais, malheureusement, tu as eu du mal à le cibler. Son mouvement était assez étonnant, on va dire. Je t'attendais pas à ça. Et il va frapper, engager un combat avec son frère. Pacific Rim. Nous regardons les colosses s'entretuer. Ok. Ça part à la flamme sacrée. Une vraie flamme sacrée ? Oui, c'est une vraie flamme sacrée. Vous voyez plusieurs flamèches tomber. Bon, après, voilà. Pas le même niveau, quoi. Et venir frapper le frère de Didierus. Je t'avoue que là. La Molly qui est tout en bas frappe le Yuan-Ti. Il est au moins level 17, quoi. Tout va bien. Sinon, la campagne, elle est prévue pour des joueurs de casino. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. J'avais pas vu. J'avais pas... Je m'étais pas posé la question, tiens. Oh, mais ils sont niveau 3, ça va le faire, hein. Elle est prévue pour des 4 personnages de level 8. Ah bah voilà, c'est parfait ça. Ouais, mais au tout début. Au tout début. Oui, vous êtes à l'épisode 2, hein. Bon. Au tout début. Ok, elle a tapé. Elle frappe. Le Yuan-Ti qui est devant, il est mort à son tour. Il reste un lézard qui est ici, qui frappe la momie. Heureusement pas. À toi, Tess. Ça y est. Je vois Elzinia au loin, couchée au sol. Je cours vers elle et je lui fais les premiers soins. Très bien. Tu fais un jet de médecine ou tu as un soin, quelque chose pour donner des points de vie. Pas de soin. Tu peux tenter un jet de médecine. Une potion qui traîne. Tu réussis ton jet de médecine et tu stabilises Elsinia, qui est inconsciente, mais elle est en vie. Tout le temps passé à côté de moi. Il a appris des choses. C'est ça, j'ai appris les meilleurs. Et puis, voilà, j'ai dû quasiment faire tout mon mouvement, donc je m'arrête là. Tu t'enfuis, quoi. Voilà, tu as un PV. Tu es assise. Tu as repris. T'as les yeux qui papillonnent. À toi, Dairon. Oh là, voilà. Level up. Coup de bâton. Ouais. Et TGD. Prends pas une majorette, ça y est. Le plan on a perdu, les gars.
C'est Skrowski. J'ai plein de dés de bâton. Alors, ajoute quand même ton modifieur pour taper si tu en as un. Tu touches. Tellement pas habitué à faire des dégâts que. C'est tu pas touches. Les dégâts, c'est 3 dés de 6. C'était 3 dés de 6 plus 3. Pas mal ce bâton. C'était 3 dés de 6 plus 3 dégâts nécrotiques. Tu frappes la momie, le lord qui est en face de toi, et malgré toute ton énergie, tu es certain de l'avoir touché, mais l'énergie du bâton ne semble pas aspirer des points de vie à ce dernier. Tu penses que ça n'a aucun impact sur la créature qui est devant toi. Heureux de savoir que ça ne sert à rien. Voilà, c'est à moi. Oui. Tu as une légère malédiction, mon cher Erwald. Tu gênes 3 des 6. Légère, hein. Tu perds 7 PV max. Ça m'ampute en même temps mes PV ou pas? Non. C'est tes PV max qui descendent, donc tu passes à okay. 45 PV max. Il faut que je rehausse mes blessures. Il faut que j'en enlève. Oui. On enlève 7. Ouais, enfin, tu fais toujours le même nombre de PV en fait actuellement. Voilà. Bah, c'est ça, c'est ce que je viens de faire. Et ben voilà, c'est parfait. Vas-y. Tu peux jouer ? Tu peux jouer. Tu vois toujours cette espèce de truc sur ta veste. Hein. Ça m'embête un peu, mais... Bah, du coup, quand je vois les dégâts de la bestiole, je vais utiliser... Attends, je me trompe. J'ai utilisé deux sorts. Non, j'ai utilisé qu'un sort la dernière fois. T'as utilisé un sort pour essayer de bannir une créature, ouais. Je crois, de okay. Niveau 4. Ok, mais j'utilise mon deuxième sort. Je vais utiliser Blight sur le lord. Sur le lord, d'accord. Alors, c'est mon plus gros sort en mode cible. Très bien. La sauvegarde est un succès. Oui, il y a deux dés qui sont en train de faire. Il l'a fait en avantage. Non, il l'a fait en avantage. Il a fait la sauvegarde en avantage. C'était une sauvegarde à la constitution, apparemment. Oh, les dégâts. C'est quoi comme sort, Blight? Ça veut dire quoi? C'est quel élément ça? Alors, nécrotique. C'est nécrotique. D'accord. Et puis c'est dans un range de 30 feet. C'est instantané. Comment ils le décrivent? Alors c'est comme Blight, c'est fléau, ça veut dire. Fléau, d'accord. Tu vois l'énergie nécrotique, comme c'est noté dans le chatlog, hein, de toute façon. Tu vois l'énergie nécrotique qui a été complètement absorbée par Diderius. Il a subi zéro. Tu penses qu'il n'a rien subi. Ok. Je suis heureux. C'est celle-là, d'accord. Qui est ici, t'appelles Lézard. Bon. Et elle tue
le lézard qui est juste derrière elle, devant elle. La tough part. C'est le lézard qui était au-dessus de moi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais les enlever. Ouais, Forben va essayer de finir le Yanti qui est à terre, en face de lui. Un bon coup de marteau, hein. Bien placé. Et il va lui ajouter, comme juste avant, des dégâts de froid. Pas beaucoup. C'était mieux en 2017. C'est mieux là. Ah, c'est mieux. Très bien. Tu places de très bons dégâts. C'est où tes critiques? Il n'est pas mort. Hein. Tu vois qu'il est en vie. Ils sont envolés avec la nouvelle année. T'as joué au loto? Non. Et troisième round de qui démarre? C'est le lézard qui est à côté de Forben. Attaque. Ouf. Même essayer deux fois la même. Ah oui, il essaie de te mordre, il te chope le bras. Et tu subiras que une blessure. Je crois que j'ai oublié de mettre le. C'est moins 3, hein. Non, c'est, je sais plus, un truc comme ça. C'est quoi? C'est du. C'est une simple morsure. Oui. Ouais, ouais, moins 3. Donc je prends un du coup. Ouais. Oui, tu prends un seulement. Ouais, ouais. Elsinia, tu es très très faible. Tu es adossé contre la porte, tu es assise, mais tu retrouves quelques lueurs de lumière. Tu es vraiment dans le mal, mais je te laisse prendre une action si tu le souhaites. Je ferais bien des baies réparatrices et guérisseuses. Ouais, tu peux essayer en effet de te soigner. Tu as la force pour fouiller dans tes affaires, incanter ton sort. Je trouve un peu de force. Et le sort, il se fait tout le tour, je crois. C'est les blés, on prend après. Goodberry, c'est ça? Oui. Te suffit d'une action, c'est instantané. Ouais, tu peux créer jusqu'à 10 baies. Ouais, c'est bon. 10 baies, et elle restaure chacune un PV. Y'a pas de problème, tu peux créer 10 baies. Tu peux utiliser ton tour pour faire ça. Je fais ça. Parfait. Par contre, je vois que t'as une inspiration bardique. Ça, je vais l'enlever, ça doit être de. Ça doit être de longtemps, ça. Non, parce que les elfes ne mangent pas les arbres, ils sont copains. C'est. T'as Diderius, le frère, qui va attaquer son frère à son tour. Le roi. Didi de son petit nom. Et c'est parti pour un combat de sourds. Touche! Il lui inflige aucune blessure à son tour. Pardon. Le combat de teubé, on va les laisser là pour l'éternité, hein, c'est bon. Hein. On s'en va, nous, les gars. Allez, les gars. Ouais, 0. 5, 5, 5, 4, 6, 6, 6, 5, 6. Ça glisse. Très bien. Il n'y a rien qui semble parvenir toucher ce roi. Yuanti, c'est celui qui est au pied de notre ami Forben. Ouais. Ouais, lui, il est. Eh si. Il trouve encore un petit peu de force. Il essaye de lever son cimetière et porter un coup à Forben. Non,
Je passe pas. Il y a du mal. Mamie qui attaque le lézard qui est juste à côté. Et de bons dégâts. Et elle est maudite à ce tour. Enfin, le lézard est maudit, pardon. Deuxième attaque. Il meurt. C'est au roi qui à son tour, hein, frappe son frère. Une espèce de lame enchantée, il arrive à trouver une faille. Ah, il loupe sa deuxième attaque et la lame semble se disparaître. La momie se déplace vers Elsinore. Oh bah non! C'est ta tasse. Ok. Donc moi je vais courir. Vers le tombeau. Azinia, reste là et reprends des forces. Je reviens tout de suite. Je cours vers le tombeau, ici, pose mes mains sur le sarcophage, fais un saut de main par-dessus le sarcophage et, je me plante et j'attaque à le lézard devant moi. Alors, je viens t'aider, Forben. Quand... Ouais, si tu veux. J'ai une nécrobatics. Acrobatics. Tu peux te mettre la souris. Easy peasy. Et Forben, je viens t'aider. Ah, magnifique camarade, je commence à partir un peu seul. Je ne pourrais pas l'aider. Débarrassons-nous de ces créatures et donc allons l'aider. Tu as raison, camarade. Tu as une inspiration, hein, donc tu as les deux. Hein. Tu as celle du GM et celle du barbe. Tu peux relancer ? Tout à fait. C'est le Yuan-Ti que tu tapes ? Ou c'est le lézard ? C'est le Yuan-Ti. C'était le lézard. C'est en avantage, il est au sol. C'est en avantage, il est au sol. Mais j'ai oublié de le cibler du coup 15, ça touche ou pas? Ouais, attends, je lis ça. Tu touches, ouais. Moi j'aime quand même un dé de 20, des fois que tu fasses 20. C'est vrai. Ouais. Ah merde. Ok, 19. Ça touche. Ouais, là il était encodé. J'aurais dû. C'est bien comme ça. Je vais attaquer avec la main gauche. Très bien. Voilà. Puis je vais. Non, je vais finir. Je vais prendre la tête.
Tu touches. On va le finir dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Humeur du poison. Sneak attack. Ok. Voilà, je passe contre. Très bien. Du coup, j'enlève l'inspiration. Ah, c'était que pendant un tour ? D'accord. Ouais, celle du GM, c'est que sur le round. Toi, Dairon. Et tu le rends où ? Je veux savoir. Ah, beau jeu. Donc tu le tiens plus avec tes mains. Celle-là n'a aucun effet. Ah, pas rend, en tout cas. Toi, ouais. Bah, du coup. 3D6. Oh putain. PR 5 PV max. Oh putain, tu vas bien. Pour le moment. C'est bien, j'ai de moins en moins de blessures. Alors, moi je vais. Du coup, j'ai vu que ça marchait pas du tout. Je vais essayer de balancer un blast sur la momie. Ouais. Touche. De bons dégâts. Touche deuxième fois. Excellent. Très très bons dégâts. Tu tapes très fort sur la momie. Elle est clouée au sol tout de suite et elle glisse tout le long du carrelage. Elle se retrouve la tête qui passe juste entre les jambes de Forben et tu vois une gueule de squelette béante, ouverte, avec la mâchoire qui claque entre tes jambes. Sympa. Alors, heureuse. Elle se relève très péniblement. Et pour moi ou pour elle ? Et elle essaye de porter un coup à Formé. Encore une chance que je ne porte pas de kilt. Avec la mâchoire qui claque, t'as eu des problèmes. C'est chaud. Ça a mis ça et la seconde. Ah, celle-là elle touche. Pourquoi ça s'enlève à chaque fois ? C'est chiant. C'est sur les miss, ça s'enlève. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était le dernier codage, j'aime pas ça. Tu dois pouvoir l'enlever dans les options, ça. Ouais, faut que je regarde. Donc ça touche. Les dégâts déjà. Ouais, tu prends de très lourds dégâts. Et une save. Qui devrait pas poser de problème. Bah si. Ok. Ok. Tu as le même problème que Erwald. Hein. Tu vois ton armure qui est noire, huileuse. Et c'est génial. Tu peux lancer 3D6. Laisse retrancher 9 PV max. Oui. Et pendant ce temps-là, Forben il va bien voir que il commence à avoir des soucis de vision. Il va essayer de se protéger. Il va se mettre en posture défensive. Très bien. Fin du round. Round de 4 pots.
lézard qui, oui, qui tant bien que mal essaie de frapper toujours et encore notre ami Forben. En désavantage du coup. Ah oui. Mais oui, du coup c'est bon, c'est pas obligé de faire le deuxième. C'est pas la peine. Et le second. Bâton, il touche le deuxième. Moins 3. Eh bien, une blessure, ça fera quand même. Je laisse la mettre. Yep, c'est bon. Le tank. Elsinia, te voilà avec une dizaine de baies dans les mains. Bah, du coup, je les mange. Je fais mon petit goûter. Tu manges ta dizaine de baies et tu es restauré de 10 PV. Je te fais ça tout de suite. Tu prends tout le tour pour te restaurer, hein, et tu sembles aller beaucoup mieux. Tu as repris des forces. Tu sembles être capable de reprendre le combat. Ça fait du bien. Le frère s'en prend au roi à son tour. Il semble bien avoir compris la mécanique à son tour. Et il envoie des sorts sur son frangin. Il y a deux blasts qui passent. Et 26 blessures sont appliquées. Le combat fait rage entre les deux. Ils sont l'un à côté de l'autre, ils se regardent, ils ont chacun une arme dans la main, mais ils se psalmodient des trucs dans une langue que vous ne comprenez pas. Et ça tombe du ciel, ça vient de partout. J'ai des lumières, des fumerolles, vous voyez un peu tout qui tombe, qui vient de partout et qui frappe les deux protagonistes. Alors lui, il est au fond. Il est plus qu'au fond, il est mort. Ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Et la momie qui se dirige vers Vertas. Elle court. Hein. Elle est à fond. Elle a dash là? Dash? Non, elle a même pas dash. Ouais, c'est même bah, si elle a conscience que ça existe. D'accord. Ah non merde, je me suis planté, c'est pas le bon temps pour moi. Celui-là c'est une sauvegarde à chaque. Non, c'est sur le premier, ok. Et si c'est loupé, c'est foiré. C'est ça. Oui, c'est oui. Donc ben, c'est foiré. C'est foiré celui-là. Et c'est 17? Ah oui, c'est foiré, oui. Bon, tant pis. Oh, un momie qui se dirige vers Elsinia. Du coup. On les dégâts là du coup? Non, du coup il a pas pris les dégâts. D'accord. Il a pas pris les dégâts. Et la momie se dirige vers Elsinia et elle hurle. Elle aurait crié comme elle avait fait lors de la session dernière. Elle crie et elle vient vous sentez cet air vous vomir dans vos oreilles et ça vous glace le sang. Cible notre chère Elsinia. Mais elle a quelque chose contre moi, c'est pas possible.
Fais-moi voir une sauvegarde. Elle signa à la sagesse, s'il te plaît. Wisdom. Oh non. Une sauvegarde à la wisdom. Tu t'affiches perso. Ouais, colonne à droite. En bas à droite, ouais. Tour ou pas? Non, 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 pas tour. Je Et boum. Tu as repris des forces. Tu es convaincu que tu peux combattre. Tu n'as pas peur de cette momie. Il ne se passe rien. À toi, Tess. Alors, je viens de voir Torben se prendre une énorme baffe de la momie. Clairement, je change de focus. Je vais attaquer la momie. Ouais, en théorie. J'arrive à te glisser entre le tombeau et Torben avec ta petite taille. Oui, je suis tout petit. Ah, j'aurais bien voulu, ouais. Du coup, je l'attaque. Qu'est-ce que je peux attaquer là-dedans? Des bandelettes. Des bandelettes. Il n'y a plus d'organes, il n'y a plus rien. Je vais essayer de lui sectionner la tête. Hein. Il reste plus grand-chose. Hein. Il reste que les os, c'est de la bandelette. C'est ça. Quand même une paire de dents. Allez. Je le taillade le cou en essayant de la sectionner. Même sur la tête, ça court encore. Ça fait comme les canards. Plus les bras qu'il faut couper, là, c'est avec les bras qui nous défoncent. Je vais utiliser la inspiration bardique, c'est une 1D2, ouais. Combien 8. Oh. Est-ce que ça touche? 13, ça touche. 13, c'est bon alors. Oui. Je t'enlève l'inspiration. Et vous Critical. De très bons dégâts. Très bien. Et tu touches. Toujours ça te prie. Tu vois la momie subir les coups absolument denses hein, et puissants, mais elle tient debout. Hein, tu te demandes par quelle énergie, mais. Toi d'ailleurs. Attention, franchement, Dairon 2018, les G2D, c'est clair. C'est la nouvelle année. Ça y est, ça fait longtemps qu'il l'attend celle-là. Il a doublé. Merci. Là, tu es très très motivé. Hein, il signa par Dairon. Je te mets l'inspiration. Toi, Erwan. Eh bien, moi je vais envoyer un blast sur le même. Ouais. Bravo. Ton tir, juste au moment où il se relève, il ouvre la bouche et ça lui passe derrière le crâne et tu vois le tir passer de part et d'autre de sa. De son crâne est explosé en mille morceaux, la momie tombe
tombe au sol. Très bien. Bah, le deuxième dash sera pour le Mesa. Voilà. Eh bien, c'est à Forben directement. Forben prend 3d6 déjà, non? Oui. Ah, mais Arwan ne les a pas pris. Ah oui. J'ai oublié. Bien. Oui. Vite. Ouf. Ok. Bon, la prochaine fois, je ferme ma gueule, hein, promis, hein, mais bon... Putain. Quelqu'un nous l'aurait dit dans les commentaires de la vidéo, donc voilà. Bon, c'est fait. Forben voit bien qu'il va falloir finir le combat au plus rapidement. Commence à être plus trop sûr de sa force dans les minutes à venir, donc il va donner tout ce qu'il a sur le lézard en face de lui. On est quand même sur 24 points de vie. 19 points de vie effectifs. Comment c'est pas mal, tu touches. Et pareil, hein, on va pas changer, hein. Laisser des dégâts de froid. Ça non plus, on change pas. Et voilà. Tu le tues. Il explose en 1000 morceaux en blocs de glace. Parfait. C'était l'idée. Et c'est à toi, Ilsinia. Tu es inspiré. Tu es en pleine possession de tous tes moyens. Alors, touche pas mes torches. Tu laisses mes torches sur les toits. Je vais viser la momie en bas. Oui. Je suis pas gêné par la torche qui est devant. Non, tu peux faire un petit pas de côté si tu veux. Il y a pas de problème, hein. Tu peux rester là. T'as aucun souci. Hein. Elle est pas très haute. Hein. D'accord. Tu touches. Tu fais de bons dégâts. Tu vois ta flèche qui passe juste à côté du bouclier de Dairon. Elle passe juste au-dessus de la torche. Ta flèche s'embrase au passage et vient se planter dans la momie tout au bout. Cette dernière prend feu. Ah ouais, trop bien. C'est bon ça. J'ai cru dans Zelda. C'est ça. Vous voyez le frère incanter quelque chose et des espèces de runes, de cercles viennent se créer autour de lui. Et il semble que la momie qui est juste à côté de Forben reprenne vie sans sa tête. Elle se dirige vers le roi. Ah si, ça a l'air. Et il attaque son frère. Frère qui loupe. Save, subir 4 flammes. Très bien.
dit. Le frère de Lundider, le roi qui commence à subir des dégâts. Vous voyez son corps se décrépir de plus en plus. La momie qui est en dessous de Forben s'approche toujours de ce dernier. Et elle fait un hurlement en regardant Forben. Il faut que tu me fasses une sauvegarde. À la Wisdom, c'est ça? À la Wisdom, s'il te plaît. Elle est réussie. Bravo. Tu vois qu'il hurle. Je la regarde dans les bandelettes. J'ai pas peur de toi. Très bien. Tu ne vois vraiment aucune conscience hein, dans ce corps mort oui. qui arrive en face de toi, mais tu te motives. C'est exactement ça. C'est plus ça, ouais. Inspire-toi. C'est à Tiderius. Relâche son frère et il subit 12 blessures. Ah, les deux frères commencent à affaiblir. Monique est proche de Tyron. Qui s'approche? Qui te cible, Dairon? Et elle te crie dessus. Tu me fais une sauvegarde à la Wisdom, s'il te plaît. Tu commences à paniquer derrière ton bouclier. Elle signe te voit, tu as du mal à tenir le bouclier, tu commences à claquer des genoux. À toi, Tess. Forben, les momies ont l'air assez lentes. Ignorons celle-ci. On devrait peut-être aider Diderius. C'est peut-être bien notre seul espoir. Je suis d'accord. Nous devrions les laisser courir. Ouais. Je vais essayer d'aller finir la momie au-dessus. Ensuite, on se regroupera. Ça me paraît être la meilleure idée. Au-dessus ? Du coup, je me dirige, je vais finir celle-ci. Enfin, je vais essayer de la. Mais elle est full. Elle a été ressuscitée par Diderius. Elle a été ressuscitée. Ah merde. Ouais, bah dans ce cas-là, je vais attaquer le roi. On va se lâcher. Donc, je vais contourner. En termes de distance, je sais pas combien je suis. Au pire, je dash pour avoir plus de distance. Je vais utiliser mon action bonus pour dasher. Ok, c'est bien. Et je vais attaquer la momie. Enfin, le roi. Ça rate. Malheureusement, oui. Toi, Dairon, tu es frightened. Tu me fais de nouveau une sauvegarde Wisdom. Tu consommes ton action pour te ressaisir. Tu n'as pas besoin de courir ou quoi que ce soit. Tu arrives à reprendre tes moyens. Je fais ce que je peux. D'ailleurs, j'ai oublié la momie du bas, pardon, d'appliquer les dégâts de feu.
subir 5 blessures par les flammes. Très bien. Je vais essayer de blaster le roi, moi. Si ça me passe. Ok. Tu touches. Tu appliques tes dégâts sur le roi. Bon, je enchaîne. Non, je enchaîne. Bon, touche pas. Il n'a malgré le, tu sais, la force de ton sort, hein, tu vois que le roi n'a pas bougé d'un millimètre. T'as la momie à côté de. Du frère. Et à frapper le roi d'Idérius. Je ne vais pas faire le jet puisque ce dernier ne servirait à rien, aucun dégât ne serait appliqué. C'est toi formé. Forben, pareil, hein, il va suivre Tass. Je compte 5, 10, 15. Ouais. Tout pile, je peux me mettre là, en faisant un peu de tour. Mm-hmm. Et bah, je vais essayer de. Ouais, tu sais, je me mets voilà, hein, vraiment dans le. Je sais pas trop. Parce que ça respecte pas les cases. T'as pas respecté les cases non plus. Lui non, vous cassez pas trop la tête, on est pas au demi. Ok. Ouais, hein. Ok. On est pas bon, chez Pathfinder. Voilà. Voilà. Ouais, 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 voilà, voilà, voilà. Ça marche. J'aime Pathfinder. La case, bah, c'est oui, la case maintenant. Va falloir que je peux mettre ça en plus. Tu peux loquer les tokens dans la case, ils peuvent pas sortir. Ouais. Du coup, bah voilà, je vais essayer de lui donner un bon coup de marteau. Hein. C'est ça. C'est la base. Bah, la base, ouais. Je suppose que tu mets pas des dégâts nécrotiques. Ah non, pas de dégâts nécrotiques, non. De toute façon, je peux pas. C'est que des dégâts élémentaires, donc feu. D'accord. Glace. Feu. J'attends, je vérifie feu quand même. Feu. Je vérifie. Pour le feu. Ah, le module est pas loin, énerve ça. Le FIFA. Alors. Bon, écoute, à ce tour-là, je vais faire glace. Et puis. Okay. J'ai pas envie que ça prenne 40 ans. Oh. Voilà. Ah bah. Bravo. Et puis je l'ai. C'est ça. Oh là là. Oh, les dégâts. Bloodjoning, zéro, ça rebondit dessus. Bouing. Les dégâts, bouing. Les 8 dégâts de glace sont appliqués. Ah. Parce que la base était Bloodjoning. Oui, oui, c'est ça, oui. Prends les 8 dégâts de glace. Je l'ai. Ok. Et question. Réponse. Attends, j'ai le cerveau qui sait plus faire ça. Plus 8, ça fait quoi là? Ok. Question. Oui. On est toujours curse? Ah mais oui. Mais en plus c'est marqué. Arrêtez de tricher, regardez au début de votre tour, c'est marqué vous êtes curse. Bah oui. Mais c'est pour ça que arrêtez de. Mais je triche pas, je te le dis. Mais oui. Oui, vous êtes curse. Je suis désolé, vous êtes curse. Bah du coup, comment on avait dit, on dit tombe inconscient ou pas là du coup? Il a plus de blessures que de PMX. Et non, mais attendez. Ouais, mais c'est bizarre. Ouais. Attendez, j'ai pas masque 4 PV pour là. Ouais, c'est ça, oui. Oui, il reste 4 PV. Pourquoi 4 PV? Non, t'as pris 15, Erwell, il te reste 9 PV. La plus large. Non, il est à 24, je viens de voir. Bref, il est à 9. Et, Forben. C'est bon, j'ai déjà enlevé. J'ai quand même une grande question, c'est sûr que c'est à tous les tours, ça? Bah... Oui, mais c'est même sûr que si ça touche zéro, c'est pas bon, je te le dis tout de suite. On devient momie, ouais. Fait chier la bite. D'accord. Ok. J'ai passé, hein.
Oui, pardon. Je vous propose de continuer, pas faire de vidéo, ou vous voulez faire on finit le combat. On coupe. On fait la pause. Eh ben, très bien. Allez. Et ben allez, ça marche. On fait une petite pause et puis on se retrouve très bientôt. Merci de me regarder la vidéo. On se retrouve et ben, sur la prochaine vidéo ou en live. À très bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, l'épisode est terminé. Il est l'heure de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, abonne-toi à la chaîne et rajoute un pouce si tu as aimé la vidéo. Avec Twitch, viens nous voir en live. Sur Facebook, tu peux aimer notre page. Sur Twitter, suis-nous. Tous les liens sont dans la description. Allez Minsk, on y va. Nous on a encore du gobelin à dérouiller.